Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vendredi de la cinquième semaine du temps pascal de l'année B. Écoutons les textes liturgiques. Lu par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Mathias Etienne SMA. Commenté par le Père Alessi Nikabou SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 à 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude appelé aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations
qui réside à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salue. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveille vos harpes, cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Alléluia. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis,
car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ, à jamais ainsi soit-il. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En d'autres termes, aimez-vous comme vous me l'avez vu faire et comme vous me verrez encore le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, nous dit le Seigneur. Jésus t'appelle ami et non serviteur. En effet, dans l'Antiquité, on estimait l'amitié par-dessus tout. On la considérait comme un bien rare dont jouissaient seulement les hommes vertueux et civilisés, car c'était la forme d'amour la plus spirituelle. À la différence de l'amour érotique, où les amants s'aiment face à face, les amis se tiennent côte à côte, tournés vers un but ou un intérêt commun, le vrai, le bien, le beau. Ce qui unit, en définitive, de vrais amis, c'est la vérité exprimée dans une vie vertueuse. Le Christ n'a appelé ses disciples les plus proches amis qu'à la fin de sa vie, après leur avoir fait connaître tout ce qu'il avait entendu du Père, après avoir révélé la vérité à ceux qu'il avait choisis. Pour prouver qu'il n'existe pas de plus grand amour que le sien, il a offert sa vie pour ses amis. En conséquence, ce qui était rare dans l'Antiquité est une réalité courante dans l'Église, où les hommes et les femmes connaissent et vivent la vérité. Cette vérité renverse toutes les barrières, qu'elles soient sociales, culturelles ou raciales. Elle unit les cœurs et les esprits qui cherchent à connaître et à vivre la vérité, objet de notre foi. C'est pourquoi des hommes et des femmes issus des milieux les plus divers, des civilisations les plus diverses, des cultures les plus diverses, peuvent réellement s'aimer comme le Christ nous a aimés. Ceci n'est nulle part plus évident que dans la vie religieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, comment aimes-tu ton frère, ta sœur qui est ce don de Dieu que Dieu a placé près de toi? Quel est ton degré d'amour fraternel dans ta communauté et dans ton lieu de travail? Prions donc Dieu afin qu'il nous fortifie et que son Esprit Saint nous aide à toujours demeurer en lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que
Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.